On va dire particulier, oui et non. Après, nous, sincèrement, on était assez, même pas assez, on était très sérieux même, concernant les règles, etc., les règles sanitaires et puis tout le reste, notre vie personnelle, on était, je pense, dans l'ensemble très sérieux. La preuve, on a eu très peu de cas là depuis le début de saison. Après, bien sûr que ça peut arriver. Dans l'ensemble, on prend beaucoup de précautions. Le fait de se revoir aussi en dehors du foot, c'est clair que maintenant, on profite plus au vestiaire. Hein. On chambre plus au vestiaire, on profite plus de des moments justement entre nous au vestiaire et ça permet de créer aussi une bonne ambiance et d'améliorer cette ambiance. On sait que c'est des moments pas faciles, on le voit dans tous les clubs pratiquement, où il y a pas mal de blessés. Après, c'est pour le staff, c'est pas forcément évident, hein, parce qu'après, avec la longue coupure qu'il y a eu, là, ils sont là justement, ils sont attentifs, très attentifs pour qu'on soit tout le temps au maximum. Et puis, du coup, ça se passe plutôt bien pour le moment. Puis là, aujourd'hui, je pense que chaque joueur doit apporter à l'équipe ce qu'il peut apporter. Là, le plus important cette saison, c'est vraiment le collectif et de mettre le point là-dessus si on veut faire quelque chose de... Si on veut monter, tout simplement. Si on veut monter, il faut que chacun pense à l'équipe et apporte ce qu'il peut à l'équipe. Après, bien sûr, on a des préférences, des choses qu'on préfère ou des facilités dans d'autres postes peut-être, mais après, c'est quand l'équipe a besoin de nous dans certains endroits, certains postes, on doit voilà, tout faire pour aider le collectif. Donc on prépare ce match de la meilleure manière possible. On sait qu'on va pas aller là-bas relâcher ou quoi que ce soit. Bien au contraire, on s'attend à un très gros match. Et du coup, on va essayer de mettre tous les ingrédients pour faire, comme d'habitude, un gros match et puis ne pas avoir de regrets à la fin de ce match. Personnellement, ça change pas grand-chose. Parce que là, avec les confinements, sincèrement, les matchs amicaux, on est un peu habitué à cette ambiance un peu spéciale. Donc ça change pas énormément de choses. Mais je pense, oui, ça peut, pour certaines équipes, ça peut peut-être pour certains joueurs, ça peut influencer, mais nous, ça va dans l'ensemble. Dans le groupe, on en a discuté, ça va dans l'ensemble. Ça... C'est clair qu'à domicile, c'est dommage, parce qu'on a ce besoin du public, ça fait du bien, ça nous pousse, mais après, malheureusement, c'est ce qui se passe depuis un bon moment, donc on est habitué quand même.